بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد toujours dans l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wa kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant le dernier cours, on continue toujours dans le livre de l'héritage. Durant le dernier cours, on avait passé en revue les différentes personnes héritières ainsi que le nombre de parts qui leur est attribué. Donc on avait dit que la moitié était attribuée à combien de personnes? À Nesfo. Jawed. Combien de personnes ont la moitié? Hein? Comme ça. Qui sont? La femme, elle a la moitié? Dans quel cas, elle a la moitié? Si elle n'a pas d'enfant. Alors, Azzawajal dit, « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّمْ يَكُمْ لَكُمْ وَلَدْ » Et elles ont le quart de ce que vous leur laissez si vous n'avez pas d'enfant. Donc, elles ont le quart. « فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » Et si vous avez des enfants, alors elles ont le huitième de ce que vous avez laissé. Donc la femme n'a pas le demi, n'a pas la moitié. C'est le mari. Le mari a la moitié lorsque la femme ne laisse pas d'enfant. Ensuite, il y a qui encore? Il y a la fille unique. La fille unique, ce n'est pas un terme précis. La fille, lorsqu'elle est seule. Lorsque le défunt ne laisse qu'une fille, alors elle a la moitié. Ensuite, la fille du fils, et ceci à l'unanimité des savants, car la fille du fils est similaire à la fille. Et ceci, mais Ejma et le lama. Ensuite, donc il y en a trois, il en reste deux. La sœur germaine, comme cela, alors tout Shariqa est la sœur consanguine, c'est-à-dire du même père. Chacune, lorsque le défunt laisse sa sœur consanguine ou sa sœur germaine, germaine c'est-à-dire du même père et de la même mère, consanguine c'est-à-dire du même père, alors elles ont la moitié. Et si il laisse la sœur consanguine et la sœur germaine, les deux, elles auront la moitié chacune. Qu'est-ce qu'elles auront? Non, elles auront les deux tiers. Vous avez la mémoire courte ou c'est trop difficile ou... Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a deux sœurs, elles se partagent les deux tiers.
طيب الربع donc la moitié on a dit que cela concerne 5 catégories d'héritiers ou 5 personnes héritières, le mari, la fille lorsqu'elle est seule, la fille du fils, la sœur consanguine et la sœur germaine. طيب le quart الربع c'est la part de combien de personnes? 2. Qui sont-elles? La femme sans enfant, c'est-à-dire la femme sans enfant. La veuve, celle dont le mari est décédé, et ce mari n'a laissé aucun enfant. Alors elle aura le quart. Et la deuxième personne, qui a le droit au quart, c'est le mari lorsque sa femme décède et qu'elle laisse un enfant. Dans ce cas, le mari aura le quart. Et si sa femme ne lui laisse pas d'enfant, alors il aura la moitié. Et on a vu, on a répété à plusieurs reprises, que l'enfant que laisse son épouse décédée soit un enfant de lui ou d'autres que lui. Non. Taïb. Le huitième, c'est la part de combien de personnes? Une seule personne qui est la femme lorsque son mari laisse des enfants. Lorsque son mari décède en laissant des enfants. Ensuite, il y a les deux tiers. Les deux tiers qui sont la part de combien de personnes? Non. Quatre personnes. Qui sont ces quatre personnes? Les deux filles ou les deux filles du fils. Les deux filles ou les deux filles du fils, elles ont les deux tiers. Pourquoi les deux filles du fils? Parce qu'on a vu que la fille du fils a le même statut que la fille. Donc ça, la première et la deuxième, ce sont les deux filles et les deux filles du fils. Et les deux autres personnes, ou les deux autres catégories de personnes, la sœur germaine et la sœur consanguine. La sœur germaine et la sœur consanguine. Taïe. Ensuite, le tiers. Le tiers qui est la part de combien de personnes? Al-thuluth. Deux personnes. Qui sont-elles? La mère. La mère, dans quelles conditions? Est-ce qu'elle a le tiers? Si il n'y a pas d'obstacle. Donc la mère a le tiers s'il n'y a pas d'obstacle. Quels sont ces obstacles? Les enfants, les frères et sœurs. La présence d'enfants. Concernant la présence d'enfants, c'est-à-dire un homme qui décède et qui laisse derrière lui sa mère et un fils. La mère aura combien? Est-ce qu'elle aura le tiers? Non. Pourquoi? Car il y a un enfant. Combien aura-t-elle si elle n'a pas le tiers? Elle aura le sixième. Alors, pour résumer, la mère du défunt a le tiers de la part d'héritage à condition que le défunt ne laisse pas d'enfant, qu'il ne laisse pas au minimum deux frères. D'accord? Et à condition que le cas que va laisser le défunt ou la situation ne fait pas partie des deux Umariyatayn. On avait vu ça, les deux Umariyatayn. Qu'est-ce que le cas des deux Umariyatayn? C'est quoi? Quel est leur détail? C'est tout simple. Lorsqu'il y a un empêchement, c'est le tiers du reste qui est... Mais c'est quoi le Umariyatayn? Quelle est la description des deux situations? Le père, la mère et les filles. Non, c'est lorsque le défunt laisse son père, sa mère et l'épouse.
et l'épouse, ou lorsque la défunte laisse un père, une mère et un époux. Ou lorsque la défunte, Ahsant, laisse derrière elle son père, sa mère et son mari. Donc ce sont deux cas. Al-Umariyatayn, ce sont deux cas. Et elles ont été appelées Al-Umariyatayn car c'est Umar radiallahu anhu qui a jugé sur ces deux cas qui ne s'étaient pas présentés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc la mère a le tiers, sauf si le défunt laisse un enfant en plus, sauf si le défunt laisse au minimum deux frères ou sœurs, et à condition que la situation n'est pas semblable à Al-Umariyatayn, à savoir que le défunt ne laisse pas sa mère, son père et sa femme, ou que la défunte ne laisse pas derrière elle son père, sa mère et son mari. Car dans ce cas-là, dans le cas des deux Umariyatayn, la mère aura combien ? Un tiers du reste. Thuluthul Baqi. Elle aura un tiers du reste. C'est compliqué ? C'est compliqué ou pas ? Vous avez compris ? Il faut expliquer encore plus. Non ? Personne ne répond ? Inch'Allah. Il faut aimer les maths pour faire le fara'id. Si tu n'aimes pas les maths et qui n'est pas familier avec les équations, tu vas avoir du mal. Taïm. Le deuxième catégorie de personnes qui ont le droit aux deux tiers sont l'homme ou la femme sans ascendant ou descendant, les frères et sœurs utérins. Les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire qui ont la même mère. Ils ont le tiers, à quelles conditions ? Qu'il n'y ait pas d'ascendant et descendant, hein, mais la deuxième condition, Allah Azza wa Jalla dit, in imru'un wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi ath-thuluth. Lorsqu'un homme décède et qu'il ne laisse ni ascendant ni descendant, ni père ni enfant, et qu'il a des frères ou une femme qui est dans le même cas, c'est-à-dire qui décède en ne laissant ni personne ascendante, c'est-à-dire les pères, ni personne descendante, c'est-à-dire les enfants, et qu'elle a un frère ou une sœur, Et ici, on avait dit que, à l'unanimité des savants, de quel frère et sœur il y fait allusion dans ce verset, ce sont les frères et sœurs utérins, c'est-à-dire qui ont la même mère. Allah Azza wa Jalla dit, فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ السُّدُسُ. À chacun d'entre eux, le sixième. C'est-à-dire, s'il laisse un frère utérin ou une sœur utérine, alors elle aura... Chacun aura le sixième, s'il laisse l'un ou l'autre. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Et s'ils sont plus, c'est-à-dire s'ils sont plus de deux, alors ils doivent se partager le tiers. Donc le tiers, c'est la part des frères et sœurs utérins lorsqu'ils sont plus de deux. Lorsqu'ils sont plus de deux. Car s'ils sont seuls ou deux, à chacun aura le sixième. Et concernant le tiers, lorsqu'ils sont plusieurs, ils ont alors le tiers de la part d'héritage. Comment devront-ils se partager ce tiers ? À part égale. Les garçons comme les filles. Car Allah Azza wa Jalla dit « Fahum shuraka ou fi thuluth ». Alors, ils s'associent au tiers. Et ceci fait partie des particularités des enfants, des frères et sœurs utérins
Leur particularité, c'est que lorsqu'ils sont plusieurs, le garçon n'a pas la part double de la fille, mais ils se partagent à part égale le tiers. طيب ensuite l'auteur dit والسدس فرض سبعة الأم مع الولد أو الإخوة لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Et le sixième est la part de sept catégories de personnes. Premièrement, la mère, lorsque le défunt laisse des enfants ou des frères. Car Allah Azza wa Jalla a dit, et pour ses parents, à chacun d'entre eux, le sixième de ce qu'il a laissé, si il a des enfants. S'il n'a pas d'enfants, et que ses parents héritent, alors la mère aura le tiers. Et si ils sont un nombre de frères et sœurs, alors la mère aura le sixième. Donc le sixième, c'est la part de la mère lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants et lorsqu'il laisse au minimum deux frères ou deux sœurs. Ou un frère et une sœur. C'est clair ? Deuxièmement, ثانياً الجدة عند عدم الأم قال ابن المنذر أجمع على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم. Deuxièmement, la grand-mère, lorsque le défunt n'a pas de mère. Ibn al-Mundhir a dit dans son livre Al-Ijma', et ils sont unanimes sur le fait que la grand-mère a le sixième lorsque le défunt n'a pas de mère. Donc lorsque le défunt meurt, que ce soit un homme ou une femme, qu'il a une grand-mère mais qu'il n'a pas de mère, alors la grand-mère aura le sixième. ثالثاً الواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى لقوله تعالى فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. Troisièmement, une personne parmi les enfants de la mère, qu'il soit garçon ou fille. C'est qui l'enfant de la mère? L'auteur dit l'enfant de la mère. C'est qui l'enfant de la mère? Par rapport au... On dit toujours que la comparaison se fait toujours avec le défunt. Donc qui est l'enfant de la mère du défunt? C'est son frère ou sa sœur utérin. C'est son frère ou sa sœur utérin, c'est-à-dire c'est son frère ou sa sœur de la même mère, c'est-à-dire qu'ils ont la même mère mais qu'ils n'ont pas le même père. Et on a dit que les frères et sœurs utérins, lorsqu'ils sont seuls, ils ont chacun le sixième, et lorsqu'ils sont plusieurs, ils ont le tiers qu'ils se partagent à part égale. Donc, le sixième fait partie des parts du frère utérin ou de la sœur utérine lorsque le défunt n'a ni personne héritier ascendant ni héritier descendant. رابعا بنت الابن مع بنت الصلب لحديث ابي قيس قال سمعته زيد ابن شرحبيل قال سئل ابو موسى عن ابنه وبنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى
فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة ثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم حديث صحيح رواه البخاري والترمذي وأبو داود. La quatrième personne qui bénéficie du sixième, c'est la fille du fils lorsqu'elle est accompagnée de la fille, lorsqu'elle est présente avec la fille. C'est-à-dire un défunt, un homme qui décède en laissant derrière lui sa fille et la fille de son fils. Combien aura la fille ? Et combien aura la fille du fils ? Combien aura la fille dans ce cas-là ? La moitié ? On a dit que la fille a la moitié lorsqu'elle est seule. Là, est-ce qu'elle est seule ? Non, elle est accompagnée de la fille du fils. Donc, la fille n'aura pas la moitié. Elle aura combien ? Alors le sixième ? Pourquoi le sixième ? Pourquoi le quart ? Pourquoi le tiers ? On a dit, ceux qui bénéficient des deux tiers, combien de personnes en bénéficient ? Non ? Qui ? Non ? Les deux filles ? Ou ? Les deux filles du fils. Et on a vu que la fille du fils a le même statut que la fille. Donc, le défunt qui laisse derrière lui sa fille et la fille de son fils, elles se partageront les deux tiers. Elles se partageront les deux tiers. Mais lorsque... Donc ça, c'est le deux tiers qu'elles vont se partager. Maintenant, combien chacune va prendre ? Est-ce que la fille va prendre la moitié des deux tiers et la fille du fils l'autre moitié, ou est-ce que le partage va se faire autrement ? La réponse est non. La réponse est que la fille du fils aura le sixième. Non ? On va voir, Inch'Allah. Elle aura le sixième. Elle aura le sixième, pourquoi ? Car elle est présente avec la fille. Et c'est ce qu'a dit l'auteur. La fille du fils, bintul ibn ma'a bint sulb. Bint sulb, c'est quoi ? C'est la fille. Quelle est la preuve ? La preuve, c'est le hadith d'Abi Qais qui dit qu'il a entendu Huzayl ibn Sharahbil qui dit que Abu Musa al-Ash'ari a été questionné sur un défunt qui laisse derrière lui une fille, la fille du fils et la sœur. Abu Musa al-Ash'ari a dit, la fille aura la moitié, la sœur aura la moitié, la fille aura la moitié et la sœur aura la moitié. Autrement dit, il n'a rien donné à la fille du fils. Et Abu Musa al-Ash'ari a dit, va voir Abdullah ibn Mas'ud et il me suivra dans ce que je dis. Et Abdullah ibn Mas'ud a été questionné et il a été informé par la même occasion du jugement ou de la parole. La parole d'Abu Musa al-Ash'ari, et Abdullah ibn Mas'ud a dit, لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. C'est-à-dire, si je suis cet avis, alors je m'égarerai et je ne ferai pas partie des bien guidés. Autrement dit, il n'a pas considéré le jugement de Abu Musa al-Ash'ari comme étant juste. Puis il a dit, je juge ou je vais juger par ce qu'a jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fille, la moitié.
à la fille du fils le sixième. Takmil al-thuluthayn. Et ceci pour compléter les deux tiers. Ceci pour compléter les deux tiers. Car un sixième plus un demi, ça fait deux tiers. Walbaqi, et le reste à la sœur. Et le reste à la sœur. Donc la sœur aura un tiers. La sœur aura un tiers. Fa'atayna Abu Moussa, nous sommes allés voir Abu Moussa, nous l'avons informé de la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, et il a dit, c'est-à-dire Abu Moussa al-Ash'ari, ne me questionnez pas tant que cette montagne est parmi vous. Tant que cette montagne est parmi vous. Qui est Abdullah ibn Mas'ud, qui faisait partie des fuqaha al-sahaba, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avaient le plus d'instructions dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque la fille et la fille du fils sont réunies, la fille du fils aura le sixième. Khamisan, cinquièmement, al-ukhtu ma'a al-ab. Al-ukhtu min al-ab ma'a al-ukhti al-shaqiqa takmilata al-thuluthayn qiyasan ala bint al-ibni ma'a bint al-sulb. La cinquième personne qui bénéficie du sixième, c'est la sœur consanguine, lorsqu'elle est présente avec la sœur germaine. Et ceci en complément des deux tiers et la preuve et l'analogie entre la fille du fils avec la fille. Donc la sœur consanguine, c'est-à-dire issue du même père, lorsqu'elle est présente avec la sœur germaine, c'est-à-dire qu'elle a le même père et la même mère, alors la sœur consanguine aura le sixième. Aura le sixième qui sera le complément des deux tiers, car ce sont deux sœurs qui se réunissent, elles se partagent donc les deux tiers. La moitié pour la sœur, non ? Al-Shaqiqa, la sœur germaine, et le sixième, c'est-à-dire le complément des deux tiers, à la sœur consanguine. Sadisan al-abu ma'al-walad, liqawlihi ta'ala wa li'abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Le père, lorsque le défunt laisse derrière lui un enfant, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et pour les parents, à chacun d'entre eux, le sixième de ce qu'il laisse si il a un enfant. C'est-à-dire si le défunt a un enfant, alors son père aura le sixième. Sabi'an al-jaddu inda adam al-ab, qala ibn al-mundir, wa ajma'u anna hukm al-jaddi hukm al-ab. Et septièmement, c'est le grand-père lorsque le défunt ne laisse pas de père. Donc le grand-père prend la part du père lorsque le défunt n'a pas de père. Et Ibn al-Mundir, rahimahullah, dans son livre Al-Ijma', a également cité l'unanimité des savants sur le fait que le grand-père a le même jugement que le père. Est-ce que c'est clair ? Non. Si j'ai bien compris, la fille du défunt, non, avec la fille du fils, elle a quand même la moitié. Elle a quand même la moitié, mais la... Non, elle a la moitié, mais la fille du fils a le sixième en complément des deux tiers. En complément des deux tiers. Je ne comprends pas. Elle a... Les deux se réunissent sur les deux tiers. D'accord. Mais pour ne pas priver la fille du fils, ainsi tu dis la fille a la moitié. Qu'est-ce que tu vas donner à la fille du fils? Et sur quelle base? Je sais que je vais donner un tiers. Non? Déjà, est-ce que tu as le droit de donner la moitié à la fille lorsque le défunt laisse avec lui la fille du fils? Logiquement, non. Non? Parce qu'il y a quelqu'un avec elle. Donc, elle se partage
les deux tiers. Mais la deuxième fille, ce n'est pas la fille directe du défunt, mais c'est la fille du fils. D'accord ? Donc la fille du fils, même si elle a le même statut, elle n'a pas la même qaraba, la même proximité vis-à-vis du défunt. Non ? Elle a le même statut, elle est considérée comme une fille, mais elle n'a pas le même degré. Dans la considération, mais pas dans... Non, c'est une fille. La fille, une petite fille, c'est une fille. D'accord ? Mais au niveau de la proximité, la fille est beaucoup plus proche. Et plus tu es proche, et plus tu as une part plus grande. Et ça, c'est logique. C'est logique, car, comme on l'a dit, les parts d'héritage, ou l'héritage, comme on l'a dit, circule et en profite le plus les enfants directs. Les enfants directs du défunt. Non ? تعد من العصبة لا لا تعد من العصبة هذه خاصة يعني لأنها عندها فرض السدس العصب من ليس له فرض مقدر العصبة ما ليس له فرض مقدر donc elle ne fait pas partie de العصبة la fille du fils car elle a une part déterminée dans la sonnette du professeur Hassan qui est le sixième, et on avait dit que Al-Asaba, ce sont ceux qui n'ont pas de part bien déterminée, mais qui prennent le reste après que Ashab al-Furud, c'est-à-dire ceux qui ont des parts déterminées, aient pris chacun leur part. طيب, يقول المؤلف العصبة تعريفها العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه والمقصود بهم هنا من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إلا إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد ممكن العصبة. Quelle est la définition ? L'auteur dit Al-Asaba, c'est le pluriel de Asib, comme Talib, Talabah, comme étudiant, les étudiants. Qui sont-ils ? Ce sont les enfants du défunt ou ses proches du côté de son père. Ou les proches du côté de son père. Donc, ce sont les enfants du défunt, c'est-à-dire son fils. Le fils du fils, etc. On avait dit la règle, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait entre l'homme et le défunt de femme. Et ses proches du côté de son père, c'est-à-dire, ça peut être son oncle paternel, Al-Am, ça peut être aussi les frères, et ça peut être aussi les enfants de l'oncle paternel, donc ses cousins paternels. Taïb. Il y en a d'autres, mais la règle, c'est que ce sont les proches du côté de son père et non du côté de sa mère. Autrement dit, l'oncle maternel ne fait pas partie de l'Asaba. Et ce qui est voulu, ou ce que signifie l'Asaba, c'est-à-dire les personnes à qui on donnera le reste de l'héritage après que les personnes ashab al-furud, après que les personnes qui ont une part définie dans l'héritage aient pris leur part, et s'il ne reste rien après le partage des héritiers, alors al-asib n'aura rien du tout, à une seule condition ou à une seule exception, lorsqu'il s'agit du fils. Car le fils ne doit jamais être privé. Le fils ne doit jamais être privé. D'accord ? Autrement dit, un défunt qui... Des exemples, il y en a plein, mais la règle, c'est que Al-Asib ne prend que ce qu'il reste. D'accord ? Et s'il ne reste rien, il n'a rien.
à condition que ce ne soit pas le fils. Non. S'il y a deux frères, est-ce qu'ils se partagent le reste? Et s'il y a deux frères, ils se partagent le reste. Et s'il y a un frère et une sœur, alors ils se partageront. Le garçon aura la part double de la fille. D'accord? Et l'auteur dit également et que l'asaba ont le droit à l'ensemble de l'héritage si le défunt ne laisse aucun héritier. Non, si il ne laisse aucun héritier, alors l'asaba auront le droit de tout prendre. Autrement dit, un défunt, une personne qui décède et qui laisse que son frère. Combien est-ce qu'il prend? Tout. Il prend tout. D'accord? Et s'il laisse un frère et une sœur? Hein? Le frère aura le double de la sœur. À condition que... Hein? À condition que, non, on a dit qu'il reste que le frère et la sœur. Il n'y a personne d'autre. Le frère aura la moitié de... Afin, aura le double de la part de la sœur. طيب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر. سنة عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم dit donnez les parts d'héritage à chaque personne qui en a le droit et ce qu'il reste devra être donné ou appartiendra au plus proche des hommes, au plus proche des hommes. « Ala rajulin zakar » Et ici, le professeur Hassan m'a dit « Ala rajulin zakar ». Il n'a pas dit « Ala rajul ». Pourquoi? Non. Insister sur quoi? Pourquoi le professeur Hassan n'a pas dit « Fama baqiya fa huwa li awla rajul » Il a dit « Awla rajulin zakar ». Il reviendra au plus proche des hommes masculins. Non, non. Il peut avoir plusieurs oncles, par exemple, qui se partagent. Non. S'il y a une femme, même si elle est plus proche du défunt, c'est... Fallait aoula rajulin zakar. Pourquoi? Les savants disent, car cela qui est concerné par ce terme rajul zakar. Non. Si le professeur veut dire rajoul, est-ce qu'un enfant, on aurait eu droit? Est-ce qu'un enfant est un homme? Non. Un enfant, ce n'est pas un homme. Et chez les Arabes, un rajoul, c'est un homme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait monter le cheval et qui sait galoper. Un enfant n'est pas considéré comme un homme. Et le professeur sallam a bien dit rajoul zaka pour faire comprendre que même si c'est un enfant, il en bénéficiera. Que ce soit un homme ou que ce soit un enfant, à partir du moment où il est de sexe masculin, il bénéficie du reste de l'héritage. C'est clair? On continue après la rassoum, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba'auda. On continue dans le chapitre de l'asaba. Donc on a cité le hadith d'Abdullah ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donnez à chaque personne héritière la part qui lui revient et ce qu'il reste devra être remis à l'homme masculin le plus proche. ثم قال المؤلف وقال تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فأضاف جميع المواريث إلى الأخ حين ينفرد وقيس عليه باقي العصبات. Et Allah Azza wa Jalla dit, et il hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant. Ici Allah Azza wa Jalla parlait de qui? En sourate An-Nisa. Il hérite d'elle si elle n'a pas d'enfant. Qui hérite d'elle? Le mari. Le frère.
Ici, Allah Azzawajal parle du frère. Et le frère fait partie de l'asaba. Donc on en déduit également de ce verset qu'Allah Azzawajal donne le reste, voire même l'ensemble de l'héritage lorsque la défunte ne laisse qu'un frère et qu'elle n'a pas d'enfant, alors le frère a l'ensemble des parts. Allah Azzawajal a dans ce verset donné l'ensemble de l'héritage à son frère lorsque il se retrouve seul. Waqis et l'auteur dit Waqis alayhi baqi al-asabat, c'est-à-dire fait de même avec les autres personnes qui font partie de l'asabat. Aqsamuha, c'est-à-dire les différentes sortes de asabat. تنقسم العصبة إلى قسمين عصبة نسبية وعصبة سببية. Donc il y a deux sortes de asabah. Il y a la première sorte qui est appelée عصبة نسبية, c'est-à-dire c'est une asabah dont l'origine est le lien de parenté. Dont l'origine est le lien de parenté. Pourquoi est-ce que le frère est un ansib? Parce que parce que c'est le frère du défunt, donc il y a un lien de parenté entre eux, le défunt et le frère, d'accord. Pareil pour l'oncle paternel, par exemple, il y a un lien de parenté entre les deux, et ce lien est issu du père. Le lien, c'est le père du défunt, car l'oncle paternel, c'est le frère du père. C'est le frère du père. Donc, le am ici est un ansib et il fait partie de quelle sorte de asaba? Il fait partie de al-asaba al-nasabiyya. Il y a la deuxième sorte qui est al-asabatu al-sababiyya, c'est-à-dire que la personne est ansib pour une cause extérieure. Pour une cause extérieure qui n'est pas le lien de parenté. فالعصبة السببية ما كان سببها العتق لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب. Quant à العصبة السببية, c'est-à-dire celle qui est issue d'une cause, dont l'origine est une cause, c'est celle dont la cause est l'affranchissement. Car on avait vu que l'affranchissement était une cause d'héritage, d'accord, mais c'est aussi une cause de asaba. Et qu'est-ce que cela signifie, le fait de dire que al-asaba al-sababiyya est celle dont l'origine vient de l'affranchissement? Concrètement, ça veut dire quoi? Si un esclave qui est affranchi meurt, non, il ne laisse personne. C'est son maître qui va. Non. Si le défunt qui est un esclave décède en ne laissant personne sauf son ancien maître qui l'a affranchi, alors il héritera de lui. Il récupérera la totalité. Si c'est une autre personne qui l'a affranchi, c'est pas son maître. Ça peut être que son maître qui l'a affranchi. L'affranchissement ne peut émaner que du maître. Parce que c'est lui qui a en sa possession l'esclave. Il n'y a que lui qui peut affranchir. Je ne sais pas si une personne, par exemple, elle prend un esclave, elle donne de l'argent à son maître pour... Non, là, c'est un achat. Là, c'est plus un affranchissement. Un affranchissement, c'est le maître qui dit à son esclave, je te libère, tu es libre. Et il est sans compensation. D'accord? Sans compensation. Par contre, si quelqu'un vient acheter cet esclave... À Kouli Hal, ça ne se fait plus à notre époque, mais au temps du Prophète Sassam, quand Abu Bakr radiallahu anhu qui a acheté Bilal ibn Rabah, est-ce que cela est un affranchissement, le fait de l'acheter? Non. Mais Abu Bakr radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait de suite après avoir acheté Bilal? Il l'a affranchi. Donc ici, l'affranchisseur, ce n'est pas la personne qui avait en sa possession Bilal initialement, qui faisait partie des Quraysh, mais c'est Abu Bakr qui l'a acheté, puis affranchi. Donc il y a une différence entre acheter un esclave et affranchir un esclave.
La preuve est la parole du prophète, Al-Wala'u liman a'taq. Al-Wala, qui est une des causes qui permet d'hériter, appartient à celui qui a affranchi. Et le prophète m'a dit dans un autre hadith que Al-Wala, c'est-à-dire le fait d'hériter pour cause d'affranchissement, est un lien comme le lien de parenté. Est un lien, luhmatun ka luhmati an-nasab. ولا يرث المولى المعتق الا اذا عدمت العصبات من النسب. Et le le maître qui a franchi ne peut hériter de son esclave que lorsque l'esclave n'a pas de descendant direct, qui sont les enfants. Qui sont les enfants. Si l'esclave a des enfants, qui hérite de lui ? Ses enfants. Mais il faut que ce soit des enfants directs. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى. Et il n'y a pas de différence entre un affranchisseur et une affranchisseuse. Yani, autrement dit, que la personne qui est affranchie soit un homme ou une femme. An Abdullah ibn Shaddad, an binti Hamza, qalat matat, mata maulaya wa taraka ibna. Faqasama Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam malahu bayni wa bayna ibnati, faja'ala liya nisfu wa laha nisfu. Selon Abdullah ibn Shaddad, il dit, selon Abdullah ibn Shaddad, selon la fille de Hamza, qui dit qu'un esclave est décédé, mon esclave est décédé et a laissé une fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé son argent entre moi et sa fille. Il m'a accordé la moitié. Et a accordé, et lui a, c'est-à-dire à elle, accordé la moitié. Donc ici dans ce hadith, il y a la preuve que Bint Hamza a hérité de la moitié de l'héritage de son esclave, malgré que ce soit une femme. Et quant à l'asaba, dont l'origine est le lien de parenté, elle est de trois sortes. أولا عصبة بنفسه وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم. Donc العصبة, il y a trois, العصبة النسبية, non, il y a trois sortes. Il y a ceux qui sont عصبة de par eux-mêmes. Ceux qui sont asabah de par eux-mêmes. Et l'auteur dit, وَهُمُ الرِّجَالُ الْوَارِثُونَ إِلَّا الزَّوْجُ وَوَلَدُ الْأُمِّ. Ce sont les hommes qui héritent, sauf le mari et le fils de la mère. On a dit, le fils de la mère, c'est qui ? L'enfant de la mère, Afwan ? L'enfant de la mère, c'est qui ? C'est le frère ou la sœur de du défunt, mais pas n'importe quel frère et sœur, utérin, c'est-à-dire qui ont la même mère. Car on dit que on revient toujours au défunt. Donc lorsqu'on dit l'enfant de la mère, c'est l'enfant de la mère du défunt. Donc son frère ou sa sœur. Donc الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم. Donc ce sont les hommes qui héritent. Eux, ils sont asaba de par eux-mêmes. C'est-à-dire l'enfant, le fils, c'est un asim de par lui-même. L'oncle paternel, c'est un asim de par lui-même. C'est-à-dire il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour être asim. Sauf le mari et le fils de la mère. Sauf le mari et le fils de la mère, car le mari c'est un héritier. Le mari c'est un homme, mais ce n'est pas un asib car il a sa part
d'héritage. Pareil pour le fils de la mère, qui est le frère utérin, lui aussi ne fait pas partie des racines. Pourquoi? Car il ne fait pas partie des racines de par eux-mêmes, car il a une part. Car il a une part d'héritage qui est de combien? Qui est soit de 1 sixième s'il est seul, ou soit il se partage le tiers s'ils sont au minimum de, s'ils sont au minimum de. ثانيا عصبة لغير وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به لها نصف ما له لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Il y a العصبة بغيره, c'est-à-dire ceux qui sont عصب mais pas d'eux-mêmes, mais grâce à quelqu'un d'autre. Donc ce sont des personnes qui sont asib, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une partie de ce qu'il reste, mais pas pour ce qu'ils sont, mais parce qu'ils sont associés à d'autres personnes qui eux sont asib. Et l'auteur a dit, ce sont les filles, ou les filles du fils, ce sont les filles et les filles du fils, les sœurs germaines et les sœurs issues du même père. À chacune d'entre elles, lorsqu'elle est accompagnée de son frère, elle est considérée comme une asaba de par son frère, et elle aura la moitié de ce qu'il a, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Et s'ils sont des frères, hommes et femmes, alors le garçon aura le double de la fille. Aura la part de deux filles. Le garçon aura la part de deux filles. Donc un homme qui décède et qui laisse derrière lui sa femme, son fils et sa fille. Comment est-ce que se fera le partage? Un défunt qui laisse sa femme, son fils et sa fille. La femme aura le huitième. Pourquoi? Parce qu'il a des enfants. Le fils et la fille auront combien? Ils auront le reste. Ils se partageront le reste. Le reste qui est de 7 huitièmes. 7 huitièmes, le garçon aura la part de deux filles. Autrement dit, la fille aura la moitié de la part du garçon. Combien est-ce que le garçon, le fils aura de part? 7 huitièmes, comment diviser 7 par 2? Inch'Allah, on verra la semaine prochaine, on va donner des exemples. On va essayer de finir le chapitre de l'Asaba. Ensuite, la semaine prochaine, on terminera par le Khaj. Et Inch'Allah, on prendra le tableau et on donnera des exemples concrets. Ici, la mère, on a dit qu'elle a combien de parts? 1 huitième de 24, ça fait 3 parts. Le fils aura 14 parts. Et la fille en aura 7. Pourquoi est-ce que la fille a 7 parts? Parce qu'elle est, elle fait partie de l'asaba. Mais de quelle catégorie d'asaba? Ceux qui ne sont pas asaba par eux-mêmes, mais par autrui. Et pourquoi est-ce que cette fille est asaba? Grâce à qui? Grâce à son frère, qui lui est le fils. Et le fils fait partie des asaba. Donc la fille a sa part parce que il y a le fils qui est son frère. Le fils du défunt, qui est le frère de la fille. Et il y a un autre fait que l'auteur a dit, « Asabatun ma'a ghayrihi, wa hunna al-akhawatu ma'a al-banat, li hadith ibn Mas'ud, wa ma baqiya falil-ukht. Asabatun ma'a ghayrihi. » C'est-à-dire, les asabas avec autre. Ce sont les sœurs lorsqu'elles sont en présence de filles. Et la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il a dit « وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » « وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ » La sœur, on l'a vu, lorsque
le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud traitait de quel cas? Lorsqu'un défunt laisse sa fille et la fille du fils. La fille du fils et la sœur. La fille aura la moitié. La fille du fils aura le sixième, qui est le complément de, des deux tiers. Et le reste reviendra à la sœur. Pourquoi? Ici, la sœur fait partie des asabah, mais pour quelle raison? Parce qu'elle est accompagnée de la fille. C'est grâce à la fille que la sœur a eu le reste. D'accord ? Très bien. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, bien évidemment, on terminera par Al-Hajj. Par les Al-Hajj ou Al-Hirman, qui est le chapitre de ceux qui font obstacle aux autres. Parce que dans l'héritage, tu as le droit d'hériter à condition qu'il n'y ait pas une personne qui soit un obstacle pour toi. Et cet obstacle, comme on le verra la semaine prochaine, est de deux natures. Soit il diminue ta part, ou soit il te prive de l'héritage. D'accord ? On verra qu'il y a deux sortes. Soit il baisse ta part, comme l'exemple de la mère qui, lorsque le défunt ne laisse pas d'enfant, aura le... La mère. Lorsque le défunt décède et qu'il n'a pas d'enfant, ni de groupe de frères. Elle a un tiers. Si le défunt laisse un enfant, elle aura un sixième. Donc ici, les enfants sont considérés comme étant un obstacle pour la mère, car il lui enlève une part, et il lui rabaisse la part d'héritage du tiers au sixième. Et il y a des personnes qui empêchent entièrement une autre personne d'hériter, comme par exemple le fils qui est un obstacle pour l'oncle et pour le frère. Lorsque le défunt a un fils et un frère, il décède et laisse un fils et un frère, le fils aura la totalité et le frère aura rien du tout, car le fils vient l'empêcher d'hériter. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك